Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire la présentation du toilette chimique que l'on propose à la location. Donc le toilette chimique a deux parties, la partie assise où vous allez avoir la réserve d'eau et ici la cassette où en fait l'ensemble de votre matière fécale va se retrouver ici. Comment on fait pour vidanger la cassette? Donc ici nous avons un petit ergot, il suffit de le pousser, de le lever et nous avons les deux matières. Les deux parties pardon, qui se divisent. Ensuite, imaginons que la cassette est pleine, on va ouvrir ici et ensuite on va le vider par ce tuyau là. Je vous demande de vidanger cette cassette dans un espace prévu à cet effet. Ensuite, quand c'est vidé, nous allons mettre un litre d'eau dans la cassette. Ce litre d'eau va nous permettre en fait de dissoudre la pastille qu'on vous fournit avec le toilette. Et cette pastille a deux rôles, d'éviter les odeurs et de liquéfier votre matière fécale. Et donc on va le mettre dans cet élément-là, on ouvre, on jette la pastille et à ce moment-là, l'eau va devenir bleue et va vous permettre de pouvoir aller aux toilettes. Quand on a fini cette partie-là, nous allons remettre l'assise. Donc ici, comme on voit, nous avons des petits ergots. On va venir d'abord clipser l'avant, puis l'arrière. Et en fait, il ne faut pas avoir de jour ici. Si vous avez un jour, c'est qu'en général, là, votre toilette est mal mise. Donc hop, d'abord l'avant, puis l'arrière. Et là, c'est parfait. Passons maintenant à l'utilisation du toilette. Donc ce qu'on vous conseille en tout premier, c'est de ouvrir votre toilette grâce à cette petite trappe-là. Pourquoi? Parce que si vous faites vos affaires et qu'après vous ouvrez la trappe, la matière va avoir besoin de descendre, va diminuer le volume, va faire une bulle et du coup ça va faire un petit... Et du coup ça éclabousse, donc vaut mieux ouvrir cette trappe là. Ensuite, ici vous avez un poussoir, ce qui vous permet de créer la chasse d'eau. Donc la chasse d'eau, si j'appuie dessus, et ben ça permet d'avoir la chasse d'eau qui vient pousser la matière dans la cassette. Si vous n'avez plus d'eau dans la chasse d'eau, il suffit de la remplir par ce petit trou là. Et là, c'est ici qu'on met l'eau propre. Voilà, c'était l'explication du toilette chimique de chez Freedom Camper. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut !